centre nautique. On a une dominante kayak, kayak de mer bien sûr. On fait un peu de bivouac aussi pour les gens qui viennent faire des activités nautiques. Une des grosses parties de notre travail, c'est bien sûr de sensibiliser à la protection de la faune, de la flore, de la biodiversité. On a souvent la chance de croiser des phoques, parfois des dauphins. Donc on apprend aux gens comment approcher des colonies de phoques, sans trop les approcher d'ailleurs. Les dauphins, c'est la même chose. Et après, bien sûr, il y a tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire par rapport au fonctionnement du club. Ça va du tri des déchets jusqu'à avoir des bâtiments équipés de panneaux solaires. On récupère aussi de l'eau de pluie. On a des toilettes sèches. J'essaie de faire vraiment attention ici à tout ça, parce que c'est vrai que c'est un milieu quand même très fragile et préservé encore. On accueille pas mal de groupes en été, donc tous ces gens sont amenés à manger, bien sûr. Donc là, ce qu'on a choisi, nous, c'est de mettre en place un compost pour récupérer tous ces déchets qui peuvent servir pour fertiliser un peu des terrains et tout ça. Quoi. C'est un devoir ouais, pour nous de sensibiliser les gens là-dessus. Ouais. Donc là, le but du jeu, c'est de rejoindre un réseau, de respecter certaines valeurs et de travailler ensemble, en fait, tout simplement.